Vous êtes sur RTL. Depuis la fin du confinement, la France n'avait plus atteint un tel nombre de contaminations au coronavirus. En 24 heures, 13 215 nouveaux cas ont été recensés. Le nombre de décès et de patients admis en réanimation augmente aussi. En Île-de-France, les hôpitaux se préparent à accueillir de plus en plus de personnes. Le niveau 1 du plan et blanc est réactivé, sachant que les mesures avaient été assouplies depuis le déconfinement. Écoutez le docteur Christophe Prudhomme, délégué CGT à l'hôpital Avicenne. Écoutez, l'ARS a simplement acté l'activation du niveau 1 du plan blanc, c'est-à-dire la possibilité de faire appel à du personnel de renfort. Donc il est clair que là nous sommes en situation de tension majeure, donc on a une augmentation d'activité, il faut mettre plus de personnel, donc on voit quel personnel est disponible, on va faire appel de nouveau aux étudiants parce qu'on a peu de personnel de réserve pour pouvoir nous adapter si effectivement cette situation d'activité particulièement dense persiste dans les jours qui viennent. Des propos recueillis il y a quelques minutes par Aurélia Valarier. Toujours en Île-de-France, les autorités déconseillent fortement les réunions privées de plus de 10 personnes. De plus en plus de villes resserrent la vis. Hier, Nice a pris de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer une hausse très nette de contamination.